Ça a fait comme on est là, puis venir sur la plateforme Léona Choa. Dans le moment, là, je suis dans la machine, je suis allé dans l'aéroport Haïfa. J'ai un ami qui m'a enterré, qui m'a reconnaître là-bas, qui a une famille, madame, avec trois personnes, et qui déjà, dans le moment, ça a atterri dans l'aéroport là, parce que mon petit Jean-Rita, je suis allé chercher pour me capable de voir mon terrain pour lui. Et ça, c'est plus drôle dans le là. Pour me sortir dans un point dans la ville, pour m'aller dans l'aéroport, je suis presque 2 ans dans la machine. Je suis déplacé depuis. Et pour ce côté, même jour clair, même. Je suis déplacé. Alors, je vais aller recevoir mon yo. Et je vais m'inviter à nous accompagner. Je ne vais pas oublier sur mes travaux là. Je suis capable d'abonner, me suivre de tous côtés. Et oui, nous faisons ça. Nous avons des amis qui contactent nous. Parce que dans Mexico City, dans la capitale là. Par exemple, si vous êtes dans une autre ville ou qui êtes venu, vous pouvez toujours contacter moi pour que vous soyez capable de recevoir mon yo pour vous. Et l'autre petit bagage encore que nous devons connaître, waouh, les amis, nous avons dépensé un paquet de coke. Par rapport à mon yon passé République Dominicaine, son vol direct qui a sorti République Dominicaine pour venir ici là. Et c'est avec visa et réunification familiale. Ça veut dire que j'ai une résidence ici là. Il fait des marches, il joue une visa dans l'ambassade de Haïti. Et puis, il a venu ensemble avec la famille ici là. Combien de temps le processus là prend? Peut-être qu'on doit poser cette question. Ça. Normalement, c'est un dialogue que j'ai eu avec monsieur depuis qui mois? Ça fait plus que 2 mois. Monsieur a commencé le processus depuis le commencement de l'année. Mais par rapport à Haïti, il y a un paquet d'embouteillages, il y a un paquet de problèmes. Nous déjà connaissons des problèmes, nous déjà pas besoin de mentionner. Eh bien, il était obligé de tendre jusqu'à ce que l'ambassade là vienne ouvrir dans le mois de juin qui s'est passé là. Et puis de là, il est arrivé à jouer un visa. Monsieur a une autorisation dans le mail, mais il n'y a pas de prendre rendez-vous parce que l'ambassade et le Mexique en Haïti est obligé de fermer. Alors, c'est quand il y a un récit venu là. Je vais aller dans l'aéroport là, l'aéroport de Salim Lian de Oville. Il y a deux aéroports internationaux. Il y a Haïfa, il y a Benito Juárez. Benito Juárez, dans la capitale là, je suis capable de dire. Et puis il y a Haïfa. Haïfa lui-même, c'est l'aéroport qui est fait. Et ce gouvernement, ancien président qui fait et finiment d'aller là. Et si on nous voit l'aéroport qui est lié, je fais une vidéo là dans l'aéroport de Monterrey là. Alors je vais recevoir mon numéro. Restez connecté avec Léona Choa. Bon, je suis arrivé dans l'aéroport là. À peine arrivé là, je suis dégagé pour me chercher mon yo. Parce que yon nan ire ou fait, yon pas dit exactement dans qui terminal, dans qui porte, dans qui gate, ou bien puerta, que y a privé. Tant que là, je regarde là, la marque gate, puerta. Ça, c'est puerta 2. Je ne sais pas exactement dans qui est ça privé. Quand y a là, ça qui me va le faire là, c'est chercher, me va le chercher mon yo. Pas oublier, c'est Léona Choa, et quittez un commentaire. Abonné, ça c'est l'aéroport Haïfa. Je vais montrer nous en dans l'aéroport là déjà. Comme je vais voyager, je vais juste aller chercher mon yo et puis je vais voir exactement dans qui porte ma jeune. Je vais essayer d'entrer dans l'aéroport ça. Pour moi, est-ce que vous êtes arrivé déjà? Peut-être que dans l'air ça, vous avez une immigration. Peut-être que dans l'air ça, vous avez une immigration toujours. Par contre, ça c'est l'aéroport DIA. Est-ce que je vais chercher dans la porte 1? Je vais chercher pour moi. Belle porte, belle porte. Je vais voyager dans l'espace en l'air, côté ça qui m'a fait salir. Mais là, je suis dans Llegadas. Llegadas, c'est côté où je vais arriver. Quand il y a le problème, c'est chercher mon problème. Non? Llegadas Nacionales. Moi, on porte là qui marque, on couloir qui marque Llegadas Nacionales. Ça veut dire moun qui fait vol national. Ça veut dire pas vol international. On va le chercher dans couloir pour vol international. Rete là, oui. Bon, je chercher moun yo. Parce que faut m'y venir moun yo, mes amis. Par contre, si vous sortez dans l'immigration déjà, Llegadas Nacionales, beaucoup international là, on va le chercher. Vous êtes connecté, Pablo, ça c'est Léona Choa. Non, petit moment, on a voyé encore. Je m'oblige à poser des questions parce que il n'y a pas jamais trop pour poser des questions. Là, dans la zone où je suis sorti d'air, c'est Llegadas. Ça veut dire Llegadas Nacionales. C'est vol
domestique, ça veut dire vol et national. OK, vol en dans Mexique. N'a pas comprendre. Quand là pour aller, OK, voilà, mais moi rivé dans vol international yo. Et je dis porte numéro 7 c'est pour vol international. C'est pour vol international. Voilà. C'est là, on va aller dans porte numéro 7 là. Pour mal regarder, est-ce que moun yo sorti dans immigration déjà? Yo nan bagay ki pi drôle, moun yo pa parle espagnol. Et comment on parle debout dans immigration? M pa konnè. Comme tout ça avec visa résidence y a vini, c'est pas visa touriste, je pa parle nan poser autre question. Voilà. Là moi rivé nan. Et yo te dit numéro 7. Bon, moi rivé là, m'a regardé dans écran, moi vol Arajet parce que moun yo vini nan Arajet. Et je te dis que tu as pris 8h10. Je unique vol à Arajet qui gagne là, c'est 8h25 lié là. Je dis que tu es dans la porte là, tu es sorti. Et je m'attends toujours. Je pense que tu as pris en retard. Arajet, je suis allé là, 8h25 AM. Je te gagne itinéraire pour 8h10. At gate, ça veut dire la puerta, at gate, yon nan pot. M'attend yo. Unique vol Arajet qui gagne là. Arajet gen laisse uniquement dans airport Haifa ou vini ou pa aller dans Benito Juarez. Ça veut dire même qu'a prend Arajet Santo Domingo pour vini là, c'est ici dans airport Haifa. Et gon l'autre bagay dans Haifa qui nous pas comprendre. Ici là gagne propre compagnie taxi pa yo. Ou ben pa ka vini là vinn chercher moun, in driver Didi, Cabify et cetera. Et m'a parlé type de transport à travers application yo. Et bien pour un taxi pour on là, n'a songé Kisnel Dolé atterri là, il était fait une vidéo sur ça. Côté, il était payé à peu près $50 américains comme ça pour espace côté t'a pour aller. Donc on pour aller plus loin plus comme 2 jours. Et dans l'airport et Benito Juarez qui trouvait le plus dans centre capitale là. Là actuellement là, yo interdit tout taxi à travers application yo pour qu'il soit capable de prendre monde devant l'airport là. Ça veut dire l'arrivé là on va obligé déplacer à les côtés qui loin pour aller prendre Uber, Didi, InDriver et cetera. C'est taxi qui dans l'airport là ou obligé prendre et au dit nek ça très cher. Alors c'est comme ça ba là et là. Et nous mettre connecté, m'a font petit temps monde en attendant que l'aime boy checker quelque cafétéria qui se passe pour me déjeuner parce que demain matin beaucoup prend rien là. Restez connecté, pas oublier ça c'est Leonacho. Si vous aimez travail m'a fait, vous trouvez le bel. Pas oublier abonnez-vous sur YouTube, suivez-moi sur Facebook, sur TikTok, Instagram, enfin moi tout côté de bout à bout Leonacho ou après Leonacho tout côté. Restez connecté avec moi et puis quittez un bel commentaire pour dire est-ce que vous aimez travail qui m'a fait, OK? M'a fait un petit film airport là dans bloc côté mia là pour me montrer nous avec un bel tisson en balle. Par exemple dans l'airport ça là ou capable chita là pour charger téléphone mais on mettez yon chaise ou bien tabouret nous carrelé comme ça et puis là ou capable charger téléphone à l'aise après ça gagne bel petit banc pour chita moi même ça me va chercher là c'est toilette parce que faut que moi pipi là OK là par exemple c'est pour changer l'argent c'est pas publicité m'a fait non. Mais l'arrivé là, par exemple, si c'est ici la waterri, si vous avez un dollar dans le monde, je veux dire à moi, tu as 17,70, 19,70. Si vous voulez acheter dollar, 20 dollars, et vous avez 21, 23. 13, 15 pour dollar canadien. Et puis, qui te fait un petit marché? Parce que vous avez fait un petit temps dans l'immigration. Ça, quand vous avez fait un petit temps, c'est parce que vous n'avez pas parlé espagnol. Et vous n'avez pas un interprète là, parce que vous avez l'autre monde qui passe là déjà. Qui dit ou pas qu'il interprète en dedans et moun yo pa parler même au là ou pas qu'a dire en espagnol
mais c'est dans porte ça là où doit sortir qui c'est porte 7 là qui c'est arrivé vol international yo m'a cherché toilette là beaucoup joindre oh gain plusieurs espaces là pour charger téléphone ça c'est un autre cachita pour prendre charge relax voilà les à l'aise. Il est presque fait 10 heures du matin. Mon niveau qu'on sortit toujours il est en immigration. J'ai tant joindre ça me besoin pour me déjeuner. Mais j'ai un petit yaourt là avec un m'acheter un chocolat, Snickers. Moi déjà qu'on est dans l'aéroport, c'est payé fréquent là avec un sandwich, il y aurait ça comment relé encore. Non, même oublié non, hein. Nani. Donc on commence à coûter là. L'écouter presque 200 pesos mexicains. Nali bon, hein? Délicieux. Mon niveau qu'on sorti n'a pas dans le job d'extrême là. Et bon montrer dans l'autre bagaille. Dans espace côté. Pour prendre charge là, c'est la Mchita. Ok? Gardez là pour nous. Wi-Fi gratis. Dès que vous arrivez là, vous avez un Wi-Fi gratis pour capable communiquer avec la famille. Pour dire comme ça que vous arrivez. Donc, on n'est pas tout pour capable connecter. Parce que les gens qui viennent, je vais connecter sur Internet, sur téléphone moyen. Je vais essayer de connecter là-dedans, c'est rapide. Dès là, pour capable faire communiquer ensemble avec la famille. Qui ses amis qui monte re là pour parler avec eux. Wi-Fi a relé Haifa Infinitum Free. Oh voilà. Internet rapide là. Yeah, internet très rapide, très rapide. Restez connecté dans un petit temps parce que mon y a sorti là pour aller avec eux. Bon, t'assemblé monde pas mieux pendant bloc qui sont dedans hein. Dans moment là, me penser au cas dans immigration. Tout le monde qui était venu dans vol là atterri à 8h25, il est en fait 19 minutes dans matin of course. Jusqu'à présent, mon niveau qu'on a sorti. Et me demandé plusieurs monde qui sorti là, qui ont famille qui venu là. Yo dit moi oui, yo té moun sa dans avion mais malheureusement, yo pas qu'on sorti. C'est une madame avec trois petits moun, des petits garçons ensemble avec une petite fille. Bah qu'on est sa capacité moun yo est-ce que c'est dans immigration qui est toujours qui est inconvénient au gain m'a rappelé nous c'est avec visa résidence qui est venu parce que c'est et mari dame nan avec papa ti moun yo ya yeah. Et monsieur a une famille qui fait toute démarche pour yo d'ailleurs dom nan là c'est là où tu as de sortir parce que tout le monde qui vient dans vol Arajet 8h25 là c'est là tout le monde sorti m'ai en fait connaissance avec plusieurs autres confrères et compatriotes haïtiens là et plusieurs autres familles qui sorti là qui viennent dans même vol ça mais malheureusement jusqu'à présent moun pa myo pour qu'on sorti mission pour qu'on accompli parce que jusqu'à présent mbo ka joine moun yo pour mener à destination yo n'attend toujours restez là mo obligé venir dans l'autre couloir pour moi est-ce que ça pas échappé moun yo passer sous moi là mba wè parce que tout moun qui sorti devant côté nous MDA ngétan wè ou mais comme te déplacé m dal manje on bagay m dit bon peut-être moun yo sorti et puis yo prend couloir ça sans que m pa wè bon mal regarder pour moi m boko jwenn yo moun yo pa parle espagnol ça qu'arrive yo kembe nan immigration peut-être que gen quelques documents ou bien quelques preuves yo ta dwe bay yo poko bay a suivre toujours moun yo gen le pato habile nan technologie parce que automatiquement yo rive là. Sauf si on a immigration, on pas gain accès à téléphone yo. Yo te ka yo ta dwe connecté nan wifi ya au moins pour communiquer avec moi ou bien ensemble avec famille yo pour dire que yo rive mais jusqu'à présent me fait nan couloir pour aller nan espace vol national yo qui connecté ensemble avec espace côté a sorti nan vol international là. Mais m'a pas rejoint yo. M'a tourné nan espace côté m'té ya. Bon mes amis, finalement m'joine moun yo là. Mais mon yo ensemble avec moi là, quand il y a la petite panique là, OK, je joine mon yo.
mes familles là, nous sommes très belles, très fouées, je vais montrer au top, ok? Voilà, et quand il y a ça qui me va le faire là, c'est mallette, mon yo. Ils font pas qu'être dans l'immigration, ils entrent dans l'immigration depuis bon, 8 heures pour 9 heures. Ils sont sortis presque midi là, 11h58 minutes. Alors, quand il y a là, je vais aller mallette, yo. Et j'aime te dire, non, c'est un ami qui voulait me chercher famille en volée. Alors, je vais mener yo dans le bus. Pour qu'il soit capable d'aller dans la ville Monterrey. Il va faire presque une journée, presque 24 heures dans la machine encore là. Il va courir la machine conquis là. Alors, je vais aller l'autre bord là, parce que nous avons quitté mallette en dedans et nous allons réclamer mallette. Bon, nous avons des choses compliquées là. Et actuellement, là, je suis venu dans le guichet à la jet là. Je vais vous montrer nous. On va voyager sur le Santo Domingo, c'est là où je suis venu. Et fameuse étiquette pour remplir pour entrer Saint Domingo dans Meli. Voilà. Alors moi là, mais qui s'est passé oui? Mais ça passé. Dame nan rete nan immigration depuis 9h dans matin pour jusqu'à midi là, elle gantan fait midi. Li sorti nan immigration et li pas passé nan ça rele banda à côté, m'pa konnen comme qui non la créole ou bien français mais rele le banda, c'est côté pour aller prendre mallette là, les mallettes ont passé, chaque monde prend mallette pa yo. Et bien konnen la m'obligé venir ensemble avec li là nan guichet Arajet en cas où ça t'est arrivé au sorti Santo Domingo, ou venir dans la Jet, mais quelque soit compagnie et pour arriver ou t'a gagne difficulté pour mallette ou qui t'a par exemple t'a kimbo trop dans immigration ou bien pas joindre ou bien mallette ou pas vini, pas obligé venir dans guichet là pour capable faire réclamation à madame dans camper là et madame Zamim là de temps fait midi et m'gè mettre mon dans bus pour m'envoyer ou aller Monterrey. Ça veut dire nous va courir presque une temps machine là pour aller dans station de là pour voyer ou aller. Et bon, c'est ça. Je pense que la mission a continué là. Grâce à Dieu, nous sorti, nous posé un paquet de questions. Nous dit que grande dame qui travaille dans un compagnie qui dit qu'elle était en avant, elle était très nerveuse. Bah, ça, nous posé un paquet de questions. Mais demandé le côté mari, la travail. Bah, ça, bon. Grâce à Dieu, nous sommes venus. Et puis, mission, je suis capable de dire accompli là. Qui dit un commentaire, je dis que vous avez pensé. Il y a monde là qui a voyagé là. Ça c'est copain là qui l'autre bois là la gagne à Rajet l'autre bagage qu'on doit connait des portes Haifa l'elle était fin faite là yo gagne unité taxi et spécial qui ont mettait disponible avec l'autre bureau taxi qui ont bail autorisation là mais au tellement cher pour sortir avec mon site là mené mon dans ville là parce que porte là en dehors ville là son bagage tête chargé mais dans moment là nous carré marqué gagne terminal autobus qui vient chercher moun là, ça c'est un écran qui là-bas qui bay qui compagnie qui présent là pour capable mener moun. Ça veut dire là dans porte 5 là, l'on sorti, l'on rive ici là, ou ka aller là pour voir qui bis qui disponible. Après ça c'est taxi. Sou gen moun qui gen machine privée qui vient chercher ou, et bien à partir de porte numéro 1 jusqu'à numéro 5 là, yo capable venir pico pour là sans aucun problème. Ça veut dire qu'on y a là dès que porte là qui tangé quelques années. Là, si vous venez là, vous pouvez jouer une bis normalement. Et l'autre grosse innovation qui a fait, c'est que actuellement là, en bas, dans le tunnel souterrain, et vous presque, si vous n'avez pas fait déjà, inauguré un système train passager qui vient de mener moun sorti dans South Mexico City pour venir ici là, dans l'aéroport là, et vice versa. Ça veut dire, et dans autant qu'à venir là. Bon, c'est presque tant qu'on métro, mais son train, c'est pas métro, on est métro à centre dans la ville là. Et bien, train, ça lui-même, là, pour un passager, sorti dans la ville là. Et je crois que c'est de manière souterraine, ça veut dire en bas terre, côté où elle vient ensemble avec Mounio, pour passager au venir là. Automatiquement, il y a une guirre, et je connais le temps disponible, je viens faire une vidéo, je prends machine, je prends le train en l'autre bord, dans le centre là, je viens pour jusqu'à arriver ici là, là dans l'aéroport Haifa. Qui c'est Aeropuerto Felipe Ángeles. Deuxième aéroport international qui trouve dans la capitale Mexico City. Ça, c'est un espace qui est là pour nous chita, pour un petit soleil. Qui est-ce que vous avez dit que vous avez dit que tout le monde en bas palto, en bas et jacket, ça passe. Est-ce que c'est Fouette là qui est rentré? Oui, à partir du mois d'octobre là, c'est Freddy Total qui arrive sur nous là. Ok? Alors, toute fin année là, c'est Freddy Total. Je dis que nous sommes levés à 8 degrés, 8 ou 9 degrés. Celsius, nous pouvons imaginer la quantité de fouette qu'il fait. Merci de ce que vous avez regardé la vidéo. Et je pense que c'est là que je mets fin là-dedans. Et pour faire une station Bisland, tout ça, je vais faire une autre vidéo. Je vais faire une deuxième partie de la vidéo parce que la vidéo est longue.
quittez un commentaire et puis tout le monde l'autre vidéo. Il a posé madame non pas quelques questions parce que c'est Marie ensemble avec et qui entre elle, c'est papa Timounio. Sous visa résidence, il a posé un paquet de questions en dedans. Depuis presque 9h du matin, il y a un bureau immigration. Presque fait midi, c'est qu'on a eu 6 sorties. Alors, ça, pendant ce temps, il y a des gens qui sont sortis facile, famille, qui viennent même gens qui sont sortis là sans aucun problème, malgré les autorisations pour Timounio, parce qu'on n'est pas par là, les autorisations et les visa résidence dans tout ça. Bon, grâce à Dieu, ils sont sortis. Et Nadio, bienvenue dans le pays Mexique. Bienvenue, madame, bienvenue, Timounio. Nous arrivons, nous voyons papa nous bientôt. Quittez un commentaire, mon Dieu, après, à la prochaine.